Bienvenue dans une nouvelle vidéo gaming, la troisième sur la chaîne. On fait un peu de Formule 1 avec F1 22. La première vidéo sur F1 22, j'avais fait F1 2021 et MotoGP 22. On commence un nouveau championnat sur F1 22 de 5 courses et on commence avec le Portugal. Et j'ai pris l'Alpine de Fernando Alonso. On commence par les qualifications. Et c'est parti donc pour ce tour de qualification avec Fernando Alonso. Donc, comme vous le voyez, c'est sur une piste humide qu'on va faire ce tour de qualif. Je me suis déjà raté sur le premier virage. On va essayer de rattraper. Alors là, je me suis encore raté dans ce virage. C'est un peu compliqué sur la pluie en intermédiaire. C'est pas facile à conduire, hein. On est très loin là pour le moment, hein. On est 18e. C'est pas simple. Et là, je rate encore le point de corde. Ici aussi. Alors là, je me suis complètement raté. Et du coup, on est dernier de cette qualification pour le moment. Il va falloir remonter dans les deux derniers secteurs. Absolument. Sinon, ça va être compliqué pour la course. Je rappelle 10 courses, 5 courses, pardon, au championnat. Portimao, Spielberg, Le Castellet, Spa-Francorchamps. Miami, je crois que j'ai mis. Je crois que c'est les circuits que j'ai mis. Je ne me rappelle plus, je ne vous ai pas affiché, mais je vous l'afficherai peut-être la deuxième course. Pour la deuxième course, dans quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas quand est-ce que je ferai. On arrive dans le dernier virage et je me suis largement amélioré, même si là on va partir à l'extérieur, on va perdre un peu de temps. On est 11e sur la grille. 12e. On est 12e, ce qui est pas si mauvais que ça finalement par rapport au début du tour. Partira 12e donc avec Max Verstappen en pole devant Perez et Hamilton. Les Ferrari un peu dans la sauce. Hein. À part ça, bon, on est battu par Ocon hein, qui nous met un petit peu moins de 2 dixièmes. Et on retrouve toujours les deux Canadiens aux deux dernières positions comme d'habitude. Latifi à 3 dixièmes de Stroll. Magnifique. Et ben du coup, on va passer dans quelques instants à la course. Ce Grand Prix de Portugal, alors qu'il n'est pas au calendrier hein, en 2022, mais que EA Sport a voulu mettre dans le calendrier. Je trouve ça bien. En plus, c'est un circuit que j'aime bien. Donc, on va voir ce que ça donnera. Le circuit de Portimao, avec la grille de départ. C'est parti. Avec donc Max Verstappen qui part en tête devant Sergio Perez, les deux Red Bull sur la première ligne. En deuxième ligne, on va retrouver Lewis Hamilton qui sera aux côtés de Carlos Sainz avec Charles Leclerc et George Russell derrière. On retrouvera Pierre Gasly et Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Guanyu Zhou, Sébastien Vettel, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, les As qui partent assez loin, et donc les deux bonnets d'âne, Lance Stroll et Nicolas Latifi pour ce Grand Prix du Portugal. Première manche de ce championnat de 5 courses. J'ai pas voulu faire carrière parce que ça aurait été trop compliqué. Donc je préfère faire un championnat, c'est tout aussi bien. Et puis en plus, je peux incarner Fernando Alonso, ce qui est pas si mauvais. Bon, maintenant, il va falloir être bon, hein. Il va falloir assurer. Alors du coup, je vais partir un petit peu sur la stratégie. Quelle stratégie on va prendre? Soft, medium, je vais juste ajuster un petit peu l'essence. Soft, medium, donc. Et on va être parti pour le tour de formation de ce Grand Prix du Portugal. Allez, on fait le tour de formation et on se retrouve à la fin du tour.
Et on se retrouve donc pour le Grand Prix dans quelques instants. On va devoir se remettre sur la grille manuellement. Alors c'est la première fois que je fais ça, donc je me suis jamais entraîné. Donc on va voir ce que ça donne. Alors on est placé à droite, il faut pas que je loupe. De toute façon on a la marque là-bas. Alors, comment ça va se passer? Alors, je vais chauffer un petit peu mes pneus avant. On est parti sur la grille. D'accord, moi je me suis complètement raté. Ouais, bon, partir un petit peu plus loin, tant pis. Bon, c'était ma première, donc première ratée, tant pis, c'est pas grave. Allez, on va se refaire pour la course. Le départ qui va bientôt être donné, les derniers pilotes qui se préparent sur la grille, et c'est parti. Les feux qui s'allument et qui vont s'éteindre dans quelques instants, c'est le départ du Grand Prix du Portugal. Et c'est plutôt un bon départ, on perd pas de position, mais on n'en gagne pas non plus. On est plutôt dans un bon premier virage. On a freiné un petit peu parce que j'ai pas envie de me recevoir une McLaren dans la figure. Allez, on fait les freins. On va dépasser trois voitures d'un coup. Joli move. Et on monte déjà 8e. J'ai gagné 4 places. Oh, on se fait toucher. Et on touche Bottas. Ah oui, ça touchait bien là. Là, il y a un bouchon, drapeau vert. Et drapeau jaune. Ah, peut-être une safety car. Drapeau vert. À nouveau. Eh, Bottas qui abandonne. Le premier abandon dans ce championnat, Valtteri Bottas, qu'on a touché. Alors vous n'allez pas me dire que c'est parce que je l'ai touché qu'il a abandonné quand même. Alors il est fragile son Alfa Romeo, je sais pas, mais. Bon, en attendant, on est 7e, hein, on est meilleur des autres et on a gagné 5 places dans le départ. Alors, bon, je vous avoue que j'ai tassé Bottas parce que tout simplement, on s'est fait toucher à l'arrière. J'ai cru que j'allais partir en tête à queue, du coup, j'ai mis instinctivement un coup de volant à droite. Et du coup, on est venu percuter Valtteri. Dommage pour le Finlandais et dommage pour Alfa Romeo qui perd la plus grosse chance de marquer des points pour l'équipe italienne, suisso-italienne, pour être précis. Allez, c'est déjà la fin du premier tour sur ces 17. J'ai mis la longueur du Grand Prix en 25%, hein, vous l'aurez remarqué. Donc, on est dans le rythme de George Russell, on n'est pas trop mal, hein, on peut se battre pour la P6. Alors qu'Esteban Ocon est rentré au stand, il a dû casser son aileron malheureusement le français. Du coup ça va déjà compromettre grandement. Et là on va faire l'extérieur à George Russell qui a bloqué les roues. On passe à l'intérieur sur le Britannique et ça passe. On est sixième maintenant dans ce Grand Prix. Ocon qui a dû casser son aileron et qui va compromettre ses chances de 2 points. Là on s'est complètement raté au freinage, mais Russell va pas nous passer. Ça va aller, on avait assez d'avance. Je vous avoue que je n'ai pas trop essayé de faire des grands prix sans les trajectoires, sans la vue des trajectoires en 3D. Je fais souvent ça surtout pour apprendre les pistes. C'est la première fois, ou presque la première fois en tout cas. Ça doit faire la cinquième fois à peu près que je fais sans les trajectoires. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Russell qui va peut-être tenter de nous passer à l'extérieur. Et là, on freine un peu tard. Seul qui va repasser et qui va. Non, qui ne tente pas à l'intérieur. Le Britannique qui reste sagement derrière nous. Il y a deux pilotes, je crois, qui se sont arrêtés. Il y a une AlphaTauri aussi qui s'est arrêtée. Devant toujours les Red Bull, devant le Sainz, Hamilton et Leclerc. À partir de maintenant, il se passe plus grand-chose, même si Russell reste derrière nous, pas si loin que ça. Là, on rate encore le virage et on est obligé de ralentir. Et Russell qui va passer à l'intérieur, et c'est fait pour le Britannique. Il est passé. On va pas tenter le diable ici. On va peut-être tenter en faisant un croisé. Non, on croise, mais ça ne marchera pas. On reste derrière Russell. Il est passé le Britannique. On redescend à la 7e place. D'ailleurs, on a les deux McLaren, mais qui sont à déjà plus de 2 secondes. Ricciardo devant Norris. Et Russell qui est pas dans le rythme. Ouf, ouais, je me suis raté dans le freinage. On a de la chance, hein, de ne pas casser l'aileron. Je regarde un petit peu, mais non, on n'a pas cassé l'aileron. On a de la chance. On a pas mal de chance, hein, parce que ça a tapé quand même assez dur.
Et Russell qui est pas du tout dans le rythme des autres pilotes du top team. Hein. Dès le départ du Grand Prix, là on sort large, mais dès le départ du Grand Prix, il n'est pas dans le rythme, hein, George Russell. Il est en train de se battre avec une Alpine quand même. Allez, on va tenter les freins. Et oui, on y va. Sur Russell à l'extérieur, il reste à l'extérieur, on lui laisse la place. Et ici aussi, bon, oui, j'ai été déporté par le vibreur et là je me suis raté. Et Russell qui va tenter de passer à l'intérieur. Maintenant, il est à l'extérieur. C'est nous qui avons l'avantage. C'est repassé. Belle bataille avec George Russell quand même. Et mais du coup, Charles Leclerc plutôt est à 5 secondes maintenant. Il s'est pris 5 secondes par Leclerc avec cette bataille. Et Ricciardo derrière est revenu à 1 seconde 7. Russell n'est pas si loin. Il est juste derrière nous, le pilote Mercedes. Les Red Bull qui dominent toujours autant ce Grand Prix. Et Carlos Sainz qui met la pression quand même sur Sergio Perez. Hein. Les pneus qui sont assez usés hein, déjà au bout de 4 tours. Les pneus soft qui ont déjà 35% d'usure. C'est énorme. C'est énorme en 4 tours. On va les faire tenir le plus longtemps possible. Mais là je suis en délicatesse dans ce virage. On est à l'extérieur. Là aussi j'ai loupé le point de corde. Ça devient compliqué. Russell est encore à moins d'une seconde. Il a toujours le DRS possiblement. Ouais, il aura le DRS à nouveau George Russell. Nous on met le RS pour contrer. Et de toute manière, il reviendra par le meilleur tour. De notre part, en 1.23.9. 24 plutôt. Et on a passé Russell à plus d'une seconde. Non, plus maintenant. Et si. Non. Ah, il va encore avoir le DRS, hein, pour pas grand chose. George Russell, il l'aura encore, mais il est beaucoup trop loin. 9 dixième, il pourra rien tenter dans cette petite ligne droite. Là, on loupe encore notre frein. J'ai beaucoup de mal dans ce virage. C'est pas la première fois que je me plante dans ce virage. Et on tient le rythme de Charles Leclerc. Hein. 5 secondes, on a perdu qu'un dixième sur le dernier tour. Et là, je rate encore le point de corde. Attention, Russell est à une seconde. Il a gagné 3 dixièmes là dans ce virage. George Russell, il est plus qu'à 8 dixièmes maintenant de nous. Et tout de même, avec l'Alpine devancer une Mercedes, c'est quand même exceptionnel. Là, on rate encore le freinage. Hein. C'est compliqué. Russell qui est à nouveau à plus d'une seconde. Plus maintenant, 8 dixièmes. Et là, il se rapproche, hein, le Britannique. Il est plus qu'à 7 dixièmes. Mais il pourra rien tenter, je pense pas. 45% d'usure déjà sur les pneus. Est-ce qu'on s'arrête maintenant? Est-ce qu'on s'arrête plus tard? Ah, je sais pas. On les a beaucoup usés, les pneus. Hein. On est quasiment arrivé à la moitié de l'usure du pneu. C'est quand même énorme. En 6 tours, il reste encore 11 à courir. Compliqué, Russell qui est toujours dans la seconde, hein, il s'accroche, le Britannique. Perdait encore un petit peu sur Leclerc. Pas grand chose, hein, un dixième, deux dixièmes, trois dixièmes à peu près. Sur une Ferrari avec une Alpine, c'est pas si mal que ça. S'en sort franchement bien. Tout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas Portimao, je crois que c'est la deuxième fois que je fais sans mes trajectoires dynamiques. Et ben franchement, à part quelques freins ratés. Ça va, hein. Et Russell qui est déjà à plus d'une seconde, mais là on se rate, du coup on va perdre beaucoup de temps. Et oui, Russell qui est revenu à 4 dixièmes, il est recollé à nous. On a perdu près d'une seconde sur Russell. Même si là on lui reprend immédiatement une seconde quasiment. Bon, là il est remonté à 6. Et on a perdu une seconde sur Leclerc. C'est compliqué. C'est un peu compliqué là. En délicatesse avec les pneus. Allez, on va rentrer à la fin de ce tour. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, on va s'arrêter pour mettre des pneus médiums. On a passé la barre des 50% d'usure du pneu. Une soft qui se dégrade énormément sur cette piste. Et là, on rate notre freinage. Russell va revenir. Mais pas assez pour nous menacer. C'est notre dernier tour. Après, on va rentrer au box. Et là, je me rate dans le freinage à nouveau. Et là, on est limite à l'extérieur, mais ça passe. Alors, ça passe.
Alors, dans les vraies limites de piste, je crois que ça aurait été la première bande blanche, mais nous on prend le deuxième, hein. C'est les deux roues derrière le vibreur, je ralentis. On a le droit aussi à trois flashbacks, hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a le droit à trois flashbacks dans ce Grand Prix. Mais en 7 tours, on ne l'a toujours pas usé, donc c'est très très bon. Là, on rate complètement le frein et Russell va revenir, hein, il a déjà tenté quelque chose et il va nous repasser devant. Et on va rentrer dans ce tour. Et Russell qui nous est repassé devant. Aïe, aïe, juste avant deux boxes, c'est compliqué. Et Ricardo qui est pas si loin, 1 seconde 6. Leclerc a déjà 8 secondes maintenant. Et on va pas repasser Russell, on va devoir s'arrêter derrière George Russell. Dommage, on va voir si le Britannique s'arrête ou non. En plus, on part à l'extérieur, c'est là-bas les stands. Et Russell qui reste sur la piste. Ah, on perd un peu de temps, j'ai freiné un petit peu trop avant l'entrée des stands. Hamilton, Leclerc qui chausse des médiums. Hein. Comme à peu près tout le monde, je pense. Peut-être que certains mettront les hards. On a fait un bon arrêt. Ah, ça, on est coincé. Eh oui, l'AlphaTauri. L'AlphaTauri qui nous a eu. Qui nous est passé. Et Norris. Norris qui a recollé. Il était à 3 secondes. Il était à 3 secondes et Norris a recollé dans les box. On a perdu du temps. Hein. On a perdu du temps déjà à l'entrée de la pit lane. On a perdu également du temps dans les stands pendant l'arrêt. 2 secondes 4 d'arrêt, c'est pas si mal. Malheureusement, il y avait l'AlphaTauri de Tsunoda ou Gasly. Tsunoda s'est arrêté. Donc Gasly, hein, les deux Français qui se sont arrêtés au départ du Grand Prix à la fin du premier tour pour changer l'aileron, sûrement. Dommage pour nos deux Français. Nous, on est 12e du Grand Prix. On doit se batailler avec Norris. Hein. Russell va ressortir devant nous. Hein. Ça, c'est quasiment sûr. Et la Norris à l'intérieur. Norris, on n'a pas de grip sur le pneu médium, pourtant lui aussi est sur un pneu médium, Lando, et il va nous passer. Et il nous passe le Britannique. On était face à un autre Britannique tout à l'heure. Là, on a changé d'adversaire, mais là c'est une McLaren, c'est plus une Mercedes, donc c'est un peu compliqué. Ouf, ouais, je n'ai pas freiné du tout. Et ben, on va user de notre premier flashback. Hein. C'est pas grave. On avait trois. On en utilise un. Et Norris qui nous a passé, et là on n'a pas freiné du tout. J'ai oublié de freiner dans le virage. J'ai voulu faire l'extérieur, mais ça n'a pas marché. Et là on est juste à la limite. Sur le vibreur, ça passe. Et on va rester bloqué derrière Norris. Hein. Il n'y a aucune tentative. Et là je rate mes freins. Mais il freine beaucoup trop tôt pourtant. Et j'arrive pas à le passer. Et là il est parti. Hein. Norris, il est parti. On va tenter peut-être de l'avoir dans la ligne droite, mais c'est compliqué. Hein. Gasly qui est 15e quand même, il est pas si loin de Tsunoda alors qu'il a dû s'arrêter, changer de rond. J'ai vu une AlphaTauri s'arrêter et Tsunoda nous est passé devant, donc enfin dans les box, donc c'était lui. Oh là là, la fusée, oh la fusée. Oh, on passe Norris, on le passe, mais avant, on l'a passé tellement fort, tellement vite. Et Ricciardo qui a boxé et qui est repassé devant nous. Et oui, c'est mauvais, c'est mauvais. Il a les pneus hard, hein. Il a les pneus froids également, il vient de sortir des stands, on peut l'avoir, Daniel Ricciardo, on va l'avoir, on va peut-être tenter dans la ligne droite, et on n'a pas la même fusée que dans l'autre ligne droite, mais on va lui faire les freins, l'Australien, et on va passer à l'intérieur, on va tenter en tout cas, et ça passe, on s'est défait assez rapidement de Daniel Ricciardo, mais attention, il faudrait pas qu'il nous repasse l'Australien, on défend à l'intérieur, ça passe. C'est bon, on est passé sur l'Australien en pneu hard. Russell est en pneu hard, il est repassé devant nous, hein, forcément. Il est à 2 secondes 5 alors qu'il était à peine une seconde de nous. Il était à 7-8 dixièmes à l'arrêt avant qu'on s'arrête. Au moment de s'arrêter, et Hamilton qui a déjà 10 secondes 5. Alors que Jeff m'a appris que Carlos Sainz avait un problème sur sa voiture. Ouais, l'Espagnol qui aurait un problème sur sa voiture, il est passé devant Perez, hein, Sainz. Et Leclerc d'ailleurs est repassé devant Hamilton aussi. Hein. Mais Sainz aurait un problème. Sainz aurait un problème sur sa voiture. Ah, c'est terrible. Par contre, le jeu est très réaliste. C'est drôle. Marrant que ça tombe sur une Ferrari quand même. Et attention, on prend mal le virage et on glisse. Mais ça va. Ça sort pas trop mal. Et Sainz qui ralentit, hein, qui a l'air de ralentir Perez. Ouais. Un peu compliqué là pour l'Espagnol.
On revient petit à petit sur Russell, mais c'est compliqué. On était revenu, je crois, à 2 secondes. Là, on a perdu avec la glisse dans le premier virage. On est à 2 secondes 6. C'est compliqué de reprendre George Russell. Ouais, on a perdu cette sixième place dans les stands. Malheureusement, et Ricardo qui est toujours devant Norris. Hein. C'est pas très réaliste par rapport à la réalité. Oh, je chambre Daniel, mais. Les Mercedes qui sont à leur place, hein, 5 et 6. Ferrari 3 et 4. 2 et 4. Et les Red Bull 1 et 3. Parce que là-dessus, on est plutôt réaliste. Alors, je ne sais pas qui est 10e. 10e, c'est Tsunoda. Hein. Je crois que c'est Tsunoda qui est 10e. Et Perez qui n'arrive pas à passer. Hein. Il n'y a pas l'air d'y avoir de gros problèmes pour Sainz, hein, finalement. Ça a l'air de marcher quand même. Et Hamilton qui reprend Leclerc. Tiens, intéressant. Russell qui est bien loin, hein, quand même si on est revenu, hein, 1 seconde 3, on est revenu tellement fort là dans le dernier secteur. Et Norris qui a passé déjà Daniel Ricciardo. Ricciardo qui a. Ah oui, qui a 5 secondes, 6 dixièmes de Norris. J'allais dire qu'il a 3 secondes 6 de Norris, mais non, c'est par rapport à nous. On a le DRS maintenant sur Russell, on est à moins d'1 seconde. On a 1 seconde tout pile, mais on est passé sur la zone à moins d'1 seconde. On risque à passer Ricciardo du coup derrière. Et les AlphaTauri qui se battent, hein, Gasly qui a changé d'aileron mais qui se bat pour les points quand même. Hein, ce qui n'est pas le cas d'Ocon malheureusement. En train de se battre avec Guanyu Zhou. Il y a une grosse bataille derrière. Hein, après les AlphaTauri en 13e place, ça doit être une Williams. Certainement Albon. Avec les As, avec Zhou et Ocon. C'est peut-être une Aston Martin qui s'est arrêtée en fait tout à l'heure. Peut-être Stroll Vettel. Hein. Et on revient sur Russell, hein. On n'est plus qu'à 6 dixièmes. On va tenter de se rapprocher avant la grande ligne droite de départ arrivée. Pour voir y arriver, on va rentrer dans le 12e tour déjà. Il ne restera plus que 5, 6 plutôt. Et Norris qui a 3 secondes. Hein. Et on a 11 secondes de Hamilton. C'est vraiment Russell qui n'a pas de rythme. En plus, il est sur des hards. Et là, avec l'Alpine, oh là là, la puissance du moteur Renault sur la Mercedes. Et on passe avant même le virage. Alors même pas le besoin de faire les freins. Comme sur Norris, je crois. Même si là, je me suis raté. Et on reste devant George Russell. Lewis Hamilton qui est 11 secondes 7 maintenant. 11 secondes 9 même. Donc on perd du temps sur les 5 premiers. Mais Russell n'est pas dans le rythme. Hein. Clairement. Parce que Norris, on lui a mis pas grand chose hein, finalement. On lui a mis que 1 ou 2 dixièmes. Ah, l'abandon de Guan Yu Zhou. L'abandon de Guan Yu Zhou. Avant le premier virage. Problème mécanique sûrement sur l'Alfa Romeo. Coup dur hein, pour l'équipe suisse qui perd ses deux voitures. Bottas a abandonné le premier tour sur une casse voiture, je pense. Casse, je sais pas quoi. Après un contact avec nous. Là, Zou qui perd sa voiture également, un moteur ou je sais pas, il y a eu un bris mécanique en tout cas je pense. Je vois pas pourquoi il y aurait un accrochage dans cette ligne droite. Verstappen, Perez a passé Sainz. Et oui, Sainz qui a ralenti là, clairement là, Perez est passé. Et Sainz est bien loin de Perez maintenant. Et Leclerc et Hamilton qui sont pas loin derrière. Ouais, il y a un problème. Il y a un problème pour Sainz. Hein. Il y a un problème. Leclerc et Hamilton qui reviennent. Là, on arrive dans la zone de drapeau jaune avec Zhou. Il y a un problème hein, pour Carlos Sainz. Il est lent. Et Albon, par contre, lui, derrière, qui met à distance les deux As. Et Ocon. Très impressionnant. Bon, je regarde un petit peu ce qui se passe sur la piste, puisqu'il ne se passe pas grand-chose de notre côté. Et Leclerc qui revient très 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 vite sur Sainz. Est-ce qu'il va pouvoir défendre le podium sur les 5 derniers tours, Carlos Sainz? C'est compliqué, hein, regardez les Red Bull, elles s'échappent. Leclerc revient. Oh, il revient tellement vite, Leclerc. Il y a vraiment un problème hein, sur la voiture de Carlos Sainz. Ben, c'est peut-être le moment de mettre les watts. Hein. Peut-être que nous-mêmes, on pourrait avoir la Ferrari. Si elle... continuer à ralentir comme ça, peut-être il va même casser avant le Grand Prix, ce serait terrible. Pour Sainz qui a été sur le podium tout le long du Grand Prix, on rate les freins là, et on a remis Russell à 3 secondes,
3 secondes, il n'a aucun rythme, George Russell, alors qu'Hamilton, lui, on ne lui a repris aucun temps. Hein. On n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné de temps sur Hamilton. Par contre, on a gagné beaucoup de temps sur Russell. Vraiment Russell hein, qui a pas de rythme. Il est qu'à 2 secondes 4 de Norris. Hein. Il a vraiment pas de rythme, le Britannique. Et voilà, Sainz qui est rejoint par Charles Leclerc et de Ferrari qui vont peut-être switcher les positions. Et Hamilton qui va en profiter derrière, je pense. Est terrible pour Carlos Sainz qui va certainement perdre le podium. Il tiendra pas 4 tours comme ça. Il ralentit très 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 fort. C'est peut-être le moment d'y aller. Et du coup il ralentit, mais du coup nous on revient. Peut-être que ça va faire notre jeu. Pas pour le moment. Pour le moment on gagne. Eh si, on gagne un petit peu sur Hamilton. Forcément il est bloqué un peu par Sainz. On gagne pas de temps sur Russell par contre là. On gagne plus de temps. Russell est revenu dans notre rythme. Et Leclerc qui est collé à Sainz. Verstappen et Perez qui se sont envolés. Hein. Les deux Red Bull qui s'envolent vers un doublé dans ce Grand Prix. Un Grand Prix sans safety car, avec deux abandons tout de même, mais pas de safety car. Et là, on rate encore les freins. Il y a beaucoup de ratés hein, dans les freins, malheureusement. Ici, dans ce virage, j'ai un peu de mal. Regardez Verstappen, regardez l'avance de Verstappen et même de Perez sur Leclerc maintenant. Leclerc a passé Sainz, ça y est, Sainz a officiellement perdu le podium. Et Hamilton qui est juste derrière, Hamilton il peut toujours faire podium. Hein. Ouais, c'est compliqué. Il y a vraiment un problème sur la voiture de Carlos Sainz. On va peut-être faire un top 5 grâce à ça. Peut-être qu'on peut revenir... Il est revenu à 11 secondes, hein. On a gagné 6 dixièmes sur les deux derniers tours sur Hamilton. 4 dixièmes, c'est pas grand chose, mais quand même. Les deux Red Bull, regardez l'avance de Verstappen sur Perez, c'est énorme. Et Leclerc qui est déjà parti, hein. Il est déjà parti Leclerc. Il y a vraiment un problème sur Sainz, hein. Il y a vraiment un problème sur la Ferrari. Compliqué. Oh la réalité, Hamilton qui est collé. On a gagné 8 dixièmes hein, depuis 3 tours sur 2-3 tours sur Hamilton. C'est pas si mauvais que ça. On est revenu même à 10 secondes. On était à 10 secondes avant que je me rate dans le virage. Et c'est le moment de mettre la puissance au max dans ce Grand Prix 10 secondes 4 sur Hamilton. Bon, on reviendra pas. Hein. Il reste 2 tours bientôt. On reviendra pas. Hein, mais bon, c'est donc jamais. Peut-être une casse du moteur de Sainz pour un top 10, un top 5 plutôt. Russell est à 4 secondes. Et on est revenu à moins de 10 secondes. 9 secondes 9 sur Hamilton hein, maintenant. Il vient sous les 10 secondes. Et on se rate un tout petit peu, mais ça passe. 9 secondes 5. On monte vite, hein. Mais c'est dommage. Il ne reste pas assez de tours. On ne viendra pas pour la bataille entre Sainz et Hamilton, mais c'est Hamilton qui n'arrive pas à dépasser Sainz. Hein. Il n'y arrive pas, le Britannique. Décidément, ça fait beaucoup de Britanniques. Hein. On est entouré de Britanniques. Entre Hamilton devant, Russell et Norris derrière. Et derrière, toujours la bataille entre Tsunoda et Gasly pour le dernier point. Albon qui est P12. Pas mal, hein. P12 ou P14 P12. Ouais, c'est Ocon qui a P14. On est revenu à 9 secondes d'Hamilton. 8 secondes 4 de Hamilton. C'est le dernier tour dans quelques instants. Malheureusement, on ne reviendra pas. 8 secondes 7. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. On ne reviendra pas, malheureusement, sur les deux pilotes. Et Hamilton qui vient de passer Carlos Sainz. Ça y est. Alors maintenant, il va falloir fondre sur Sainz. S'il a vraiment une grosse panne moteur, on peut peut-être lui reprendre 8 secondes. Il faudra vraiment qu'il ait une casse moteur, hein. Une vraie casse moteur. Pas juste une moins bonne puissance. Il a déjà mis 5 secondes à Russell. Et Norris qui est qu'à 8 dixièmes. Norris qui est en train de se battre avec Russell. Hein. Russell qui n'a pas de rythme. Hein. C'est pas nous qui sommes trop forts. C'est vraiment Russell qui n'a pas de rythme. 8 secondes de Sainz. 7 secondes 9. 7 secondes 6. Ouais, on ne reviendra pas.
reviendra pas malheureusement sur Sainz, mais c'était pas loin. Hein. Vraiment pas loin. Il s'est déjà pris une seconde par Hamilton hein, en un tour, à peine un tour. Un problème sur la voiture de Sainz, mais il finira quand même cinquième. Hein. Il sauve les meubles quand même. Et Red Bull qui va aller gagner une sacrée victoire. Ils n'ont eu aucun concurrent, notamment Verstappen, meilleur tour et victoire de Max Verstappen. Première course de remportée sur les 5 et 26 points dans la poche. Avec le meilleur tour, Perez deuxième, Leclerc troisième, Hamilton qui sera quatrième et Sainz qui du coup aura tenu et sera cinquième. Et nous-mêmes, on va arriver dans la dernière ligne droite. Et on finit sixième de ce Grand Prix, Russell 7 et Norris 8 probablement, Ricciardo 9. Et voilà, on a fait une belle course, hein. On partait 12e, pilote du jour en plus, on partait 12e, on finit 6e de ce Grand Prix du Portugal. Bonne première manche dans ce championnat, la victoire de Red Bull donc, qui s'impose devant une autre Red Bull, hein. Doublé Red Bull et devant Ferrari. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une erreur stratégique chez Ferrari, mais en tout cas il y a eu une panne moteur, ça c'est sûr. Bien dommage. Allez, le podium avec Max Verstappen. Non, Perez et Leclerc, les deux Red Bull qui ont célébré ce podium. Leclerc, il peut être content. Il était cinquième en début de course, il finit troisième finalement. C'était même une bonne stratégie hein, chez Ferrari avec Leclerc, puisqu'ils ont passé Hamilton. Ensuite Sainz, parce que bon, il a eu des problèmes, mais encore eu des problèmes chez Ferrari. Non. Et le résultat complet, Verstappen, Perez, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Russell, Norris, Ricciardo, Gasly. Gasly marque un point tout de même sur Tsunoda, Albon, Schumacher et Ocon, 14e seulement. Il s'est arrêté dans le premier tour, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et on fait quand même un tout petit peu mieux qu'Hamilton et Sainz sur le record du tour. Et on a le 3e meilleur temps hein, sur ce Grand Prix, derrière les Red Bull, qui étaient sur une autre planète, hein, 22-4 les deux. Nous, on est en 22-8 et pourtant, on est 3e. Ensuite, Magnussen, Stroll, Latifi, Vettel. C'était Vettel hein, qui a dû s'arrêter avec l'aileron. Et les deux Alfa Romeo qui ont abandonné au championnat des pilotes. Ben, c'est le Grand Prix. Red Bull en tête devant Ferrari. Il y a 19 points, 26 points sur Mercedes. On a 36 sur Alpine. McLaren qui est 5e. Et AlphaTauri qui est 7e. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, hein, si c'est le cas, je vous en remercie. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt, peut-être du gaming, je ne sais pas, peut-être hein, la deuxième course du championnat sur F1 22. Eh bien, moi, je vous laisse et on se retrouve donc déjà pour une prochaine vidéo gaming, mais aussi pour une prochaine vidéo tout court, une vidéo classique comme d'habitude. À bientôt tout le monde!